monde, c'est Pablo du 67. Aujourd'hui, on se retrouve sur Subnautica pour l'épisode 17 de Subnautica. La dernière fois, on avait vu l'Empereur qui nous avait demandé de l'aide afin de créer une enzyme capable de faire éclore ses œufs. Que je vais faire. J'ai déjà trouvé tous les ingrédients. La couronne des mers, je l'ai enfin trouvée. Elle était pas si loin de la base. J'ai trouvé par hasard, par contre. J'étais en train de chercher du titane. Voilà. Bon. Je tourne pareil un peu avant parce que mon ordi souffle beaucoup. C'est un ordi portable, donc voilà, faut pas trop le booster. Mais Subnautica en général, ça va. Je dis bien en général parce que c'est pas tout le temps le cas. Et salut tout le monde, on se retrouve du coup dans ma base avec ce putain de truc qui gueule comme ça. Alors, normalement, en théorie, je devrais avoir assez de trucs pour tout simplement faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire faut quand même que je m'explique. Alors, on a trouvé du coup le truc de couronne des mers. Et je sais plus où j'ai foutu ça. Ok, donc s'ils sont pas là, ça veut dire qu'ils sont nulle part et qu'il faudra que je cherche mes trucs par moi-même. Je crois que ça va être ça. Oh non. Oh, c'est bon. Oh, je peux le créer? Vraiment? Je peux créer l'enzyme d'éclosion. Attention, c'est très fragile. On va essayer de pas mourir. On va juste pêcher les poissons pour manger un peu. Parce que si on meurt, on meurt. Y a plus d'échappatoire là. Ok, tu voulais, bah me voilà. Yes, ça fonctionne. Salut. Ils sont mignons. Le jeu bug un peu, ça je confirme. Waouh. Petit garçon, ouais. Petit bonhomme. Petite fille, je sais pas. Putain. Voilà, c'est ton cadeau d'anniversaire. Joyeux anniversaire. Putain, ils retrouvent leur maman. Et ils vont découvrir l'environnement grâce au portail que j'ai ouvert. Qu'est-ce que... Leur liberté est ma fin. Non. Non, faut pas dire ça. Quand ressemblera-t-elle, je me le demande. Pour aller dormir et ne jamais se réveiller. Carrying seeds to a new land, or a creature so small it sees the gaps between the grains of sand. Farewell, friend. Une créature si petite qu'elle voit. Non. Par contre, il faut juste que je remonte. Ouais, bah. Adieu, mon ami. Maintenant que je ne t'oublierai jamais. Je t'oublierai jamais. Jamais, jamais. Par contre. Du coup, là on va juste respirer, parce que si je respire pas, je meurs. Hein, je rappelle que je suis sous pompe. Le premier là-bas. Allez, respire. Prends des bouffées. Voilà, ça doit être assez. Putain, arrête de me donner ça. Tu sais quoi, je vais même pourrir l'aquarium. Voilà, je pourris l'aquarium. Moi, je pourris l'aquarium. Je suis un tube. C'est quoi le truc orange? Enzyme 42 concentré.
Attends, on peut. Bon. Ça fait quoi là? J'ai une vie tout normal, plus de traces d'infection. Oh putain, elle m'a sauvé. Non. Quelle belle bouche. Voilà. L'heure est arrivée de te déconnecter. Appuie sur le truc. Oh putain, encore l'espèce de... Alors j'ai eu un petit retard, mais... Quoi ce bruit? Ok, donc l'arme c'est désactivé. C'est quoi ce bruit, putain? Putain, ça fait flipper. Non, vraiment, no fake. Ça fait vraiment flipper là. C'est le même bruit que quand l'arme elle bougeait là. Est-ce qu'il y a des gens qui vont venir me chercher ou c'est moi qui pense ça? Non, ça c'est pour aller à la centrale thermique, j'ai pas envie d'aller à la centrale thermique. Bref, faut pas croire. Je suis intelligent, je sais. Bon, alors maintenant, juste pour le truc Neptune. Vraiment, pour le truc Neptune. Étant donné qu'il faut que je survive un peu. Encore. Deux lingots de titane, un circuit intégré et du plomb. Et écoute, on va te décoter ça. Hein. On va aller voir dans ma petite base et ensuite on ira voir dans la grande base. Ok, là il fait nuit. Hop, je crois qu'elle va venir m'attaquer ou me téléporter. Et merde, je suis niqué, elle va me téléporter. Hop. Rentre à la base. Ok. Combien de temps reste-nous? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. En fait, ici, elles sont toutes vides, donc ça sert à rien de chercher. Est-ce que... Ouais, on va dormir. Sauf s'il commence à faire jour. Il commence pas à faire jour. On dort. Allez, hop. On fait pas chier. On va aller là-bas. Déjà là c'est bien profond, mais je sais pas si c'est assez profond. Ouais, je pense que c'est... Ouais, c'est simple, c'est assez profond. C'est bon là ? Yes, c'est bon. Allez, construis-moi ça. Waouh. Par contre, est-ce que ça va pas faire un tsunami? Tellement c'est gros. Waouh. Si vous entendez juste un tchouf, comme ça, c'est le micro qui merde. Non, mais c'est juste pour que vous le sachiez au cas où. Non, parce que c'est pas que je l'ai pas dit. Wow. Ok. Ça, c'est là où on mettra la fusée. Qu'est-ce qu'il nous faut? Lingot de plastacé, fil de cuivre et du lubrifiant. Ok, je vais me décoter ça tout de suite. Hein. De toute façon, j'ai déjà du cuivre, alors en soi, je peux chercher du cuivre. Encore. Lingot de plastacé. Ah, ça par contre, il va m'en falloir. Six and a half hours later.
Ok, re. Alors c'est bon. J'ai tous les ingrédients nécessaires. On se fait. Yes. Motherfucker, nous construisons. Pour la première fois de toute ma vie et de toute mon existence. Et déjà, je tiens juste à préciser que les maps que je faisais, en général, c'était du créatif pour voir vite fait. Ouais, ça c'était il y a quoi? Il y a 2-3 ans. Ça fait 2-3 ans que je l'ai, à peu près. Et voilà quoi. Ça fait longtemps que je l'ai et que en général je faisais jamais la fin, genre j'explorais juste. Ok, c'est bon. Propulseur de Neptune. Aérogel, lingot de plastacier. Donc, lingot de plastacier, normalement je peux encore créer du lingot de plastacier. Minerai de nickel. Vous savez ce que ça veut dire? Ouais, moi aussi. Plutôt que de me retaper le chemin, en quoi que non, ce sera pas long. En vrai, je vais me dépêcher, je vais prendre le Simoff et je vais prendre du nickel. Les kits de câblage, c'est ça, hein, c'est des kits de câblage qu'il me faut maintenant. Kits de câblage, ouais, aérogel et lingots de plastacier. Lingot de plastacier, ça, il n'y a aucun problème, je peux le faire sans aucun problème. Enfin, pour l'instant. Ouais, bah, tant logique, on va faire des lingots de titane, du coup. Voilà, comme ça c'est fait, comme ça il n'y a plus de lingots de... Comme ça, il n'y a plus de titane. On peut pas le ranger. On peut le ranger. On va juste se créer de la bouffe. Ouais, j'ai une petite faim. Ouais, et alors? Ça pose quoi comme problème, putain? Bon. Maintenant, en vrai, ce sera pas long, donc en soi, je vais aller dans la zone morte. Enfin, la zone morte. Pas exactement dans la zone morte, dans le Lost River. Quand je dis Lost River, je pense tout de suite au truc vert dégueulasse. Ouais, c'est plutôt ça. Et donc je fonce actuellement. Voilà. Donc on y vient. Et on se retrouve là-bas. What? C'était quoi ça? Ok. Ça veut dire déjà qu'il sait que je suis là. Et que je suis dans la merde. Parce que il me reste plus beaucoup de bouffe et que je vais mourir si je mange rien. Alors on va continuer, on va dégager. On dégage, on dégage, on dégage, on dégage. Allez go, on se casse, on se casse. Ça tu sais. Allez, cours comme un dingue. Construis-moi ça. Putain, c'est super gros. Non mais vraiment? C'est super gros. Ok. Réserve de fuel du Neptune. Lingot de plastacier. Encore 10 stènes. Je te hais. Je te hais. Vraiment. Alors, soufre cristallin, lingot de plastacier, batterie ionique haute capacité. Alors là, ça va me prendre du temps. Vraiment. Mais vraiment beaucoup de temps. Enfin, remarque, non, parce qu'il y a les téléporteurs et ça, c'est bien. Soufre cristallin, j'ai. Alors attendez, juste pour faire un topo de ce que j'ai et ce que je n'ai pas. Soufre cristallin, j'ai. Batterie ionique haute capacité, j'ai pas. Lingot de plastacier, j'ai pas. Alors, lingot de plastacier, à la rigueur, ça se crée facilement avec du titane. Donc ça, je l'aurai facilement. Mais le distel, je l'aurai pas facilement. Alors, on va prendre le papriquide et on va aller directement là-bas. Pas directement. Dans le cul. Bon.
Aller voir le Disten, c'est ça, bâtard. Putain. Il n'y aurait-il pas du Disten dans cette grotte? Peu profonde, évidemment. Non, parce que s'il n'y a pas de Disten, moi ça me plaît pas. Salut toi, ça va? Là-bas, il y a du Disten. On devrait pas se faire attaquer normalement. On est dans la lava zone. Prends tout ce que tu peux. Désolé pour le bruit. Ah, si vous l'avez entendu. Il l'a mis où? Ça se fourre pas cette merde. Quoi? Ça n'a pas foré. Ça n'a pas. Je cherchais un peu plus haut, mais. On y a vu, non, y a rien. Putain, génial. Je sais même pas où il faut attraper ce truc. A few moments later. Là, il y en a. C'est pas dit que j'arrive à la choper. Un équipement spécial est requis pour cette ressource. Je le récupérais. Je veux le récupérer. Y a pas moyen que je le récupère. Attends. Je peux pas fouiller dans le coffre. Non, je suis obligé de le faire manuellement. Que ça marche. Pas un truc bleu qui est tombé par hasard. Je sais pas. Moi je cherche sur les côtés parce qu'en général il n'y a pas vraiment de truc à part la merde. Mais It was at this moment that he knew he fucked up. Non, non, je retire ce que j'ai dit. Tout bonnement. Je retire ce que je viens de dire. Je retire totalement ce que je viens de dire. Il y avait vraiment un putain de warper. Et un warper, croyez-moi, ça fait peur.
Ouais, je pense que c'est bon là. Je pense honnêtement que j'en ai assez. Alors on va rentrer d'un coup dans la base. On va pas faire chier. Putain, j'ai eu peur, je croyais qu'il y avait le... C'était un bug de texture, ça. Super. Ok, go. Cours. Enfin, cours. Je te fais pas mal en courant, mais... Oh putain, ça m'a fait... T'écrases-moi, hein, fais gaffe. Merde. On poursuit là. Ouais, voilà, c'est ça, j'aime mieux ça. Ainsi que des cubes ioniques, ça m'a pris plusieurs minutes à faire tout ça. Alors maintenant. Putain, oh les lumières. Ok, ça c'est juste pour stabiliser. On va tout mettre de distène là-dedans. Pour éviter de faire chier. Alors, la pile ionique. La pile ionique, il nous faut de l'or et du minerai d'argent. Du minerai d'argent. Du minerai d'argent. Du minerai d'argent. Je crois que je n'en ai plus. Ah si. En plus, j'avais encore de cubes ioniques, quoi. C'est totalement con. Ah, attends, j'ai vu de l'or encore. Ok, vas-y, on va créer ça. On va créer ionique. Voilà. Alors, il m'en faut plusieurs. Il m'en faut plus. Mais pour ce truc, il m'en faut combien? Deux batteries ioniques. Ah, j'ai plus rien. Actuellement. J'ai plus de... J'ai plus d'or. Mais bientôt plus de... Oh là là, je suis dans la merde. I'm on the shit. Allez. Oh bah lui, c'est un accent français. Hein. Très démesuré. Voilà, on a nos piles ioniques. On a nos putains de piles ionisées. Maintenant, pour faire une pile ionisée... Ionique. Haute capacité, il me faut du caoutchouc en silicone, évidemment. Que j'ai dû jeter. Sûrement. Je suis pas sûr. Alors j'ai un caoutchouc en silicone. J'ai pas d'autre caoutchouc. On va éviter de consommer cette merde. Bon, alors dans ce cas, on va aller voir une vigne d'orin. Pour... Non, mais c'est con de foncer sur un poteau quand même. Voilà. Bon, j'en ai pris 3, mais au moins on est sûr. Alors, on va pas. On va voir. Yes. Bon. Silicone. Silicone. Lubrifiant au cas où. Je dis toujours, hein, ça peut toujours servir. Pile ionique haute capacité. Et une autre pile ionique haute capacité. Voilà. Bon, maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce soit la merde? Non. Ok, le distène x 4. Ah putain, mais c'est vrai, il me faut ça aussi. Alors, 4 distènes. Je sais même plus où j'ai rangé le distène. C'est pour te dire. Je suis pas dans la merde. Du soufre cristallin, il m'en faut 4 aussi. Donc, si j'en ai pas 4, je sais déjà où il faudra que j'y aille. 1, 2, 3, 4. Heureusement que j'ai... prévu au moins 1, 2, 3, 4. On va se faire de la bouffe parce que je commence à avoir faim. Ah, j'ai faim. C'est comme ça. Ok.
C'est vrai que j'avais ramassé ça aussi. Alors on va dégager toute cette merde. Voilà, le diamant c'est pareil, le cube bionique c'est pareil. Voilà. Maintenant la vraie question c'est où est-ce que j'ai foutu mon titane? Alors j'en ai un là. J'en ai un deuxième ici. Je crois que j'ai plus de... Ah bah non, je crois que je suis niqué. Bon, bah dans ce cas, hein. Go chercher du titane, allez hop, c'est parti. Allez, génial. De toute façon, c'était prévu ça. Alors, tant qu'on descend pas trop profond, de toute façon, en général, ils prennent les bouts qui sont à proximité. Alors, on va les prendre.